Bien, bonjour à tous. Et dans le cadre de l'association, de notre petite association ATT, nous allons aujourd'hui vous apprendre à fabriquer vous-même des leurres extrêmement performants. On va d'abord essayer de vous présenter le matériel qu'il vous faut pour fabriquer tout ça. Alors, donc le matériel nécessaire pour travailler, évidemment, les hameçons, du fil de coton, des rouleaux de raffia de différentes couleurs, et évidemment, on s'amuse comme des fous parce que toutes les couleurs peuvent être utilisées. Simplement, on va faire des jupes qui vont être plus foncées ou plus claires et qui s'utiliseront au moment de la pêche selon la couleur de l'eau. Donc toujours dans le cadre du matériel qu'il faut, il vous faut des octopus. Vous allez les marier avec vos jupes et vous allez avoir, selon que c'est des jupes claires, vous allez mettre des octopus peut-être un peu plus clairs ou choisir une autre option. Le tout, c'est que ça vous fasse un ensemble. Ces petits octopus, vous le savez, ils sont creux. Hein, et donc, on les laisse tout simplement avec des petits plombs. On leur plombe un peu la tête à l'intérieur. Ensuite, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Eh bien, de la colle. Un truc sensationnel à demander aux dames, à moins que vous n'en mettiez vous-même, du vernis à ongles. Il vous faut une petite pince, il vous faut un ciseau, et puis une espèce de vieille brosse métallique qui va vous permettre, vous allez voir, de faire quelque chose d'assez sensible. Ça va vous permettre de peigner vos... Regardez le raffia. Alors, première étape, nous allons apprendre à fabriquer la tresse de coton que nous allons fixer à l'hameçon. Rien de plus simple. On prend le fil de coton. On le laisse dépasser. Là. Et on fait 10 tours de la main. On le laisse dépasser, on le coupe, et vous voyez, on le met là, on le noue. Mais peut-être un peu plus bas pour... Là, on coupe. Regardez bien, c'est tout simple, vous avez donc ça. Vous prenez votre hameçon. Vous passez votre tresse dedans et vous allez faire également 10 tours. Ou 11, 12, on n'est pas à un tour près. Là, quand vous avez fini, vous allez passer le petit œillet qui reste sur l'autre partie de l'hameçon. Vous voyez votre tresse, elle a été faite et elle est bien sur les deux parties de l'hameçon. Vous la remontez et vous la passez. Il faut la passer à l'intérieur de l'hameçon. Voilà, elle est prête. Simplement maintenant, nous allons
lui fabriquer toujours avec notre fil. On va bloquer ça. Voilà. Vous allez le faire après, bien sûr. Hein. Voilà. Là, ce n'est pas une histoire de tour, on bloque bien. On fait encore une fois. Et là, vous pouvez tirer tout ce que vous voulez. Ça tire 100 kilos, plus, pose pas de problème. Dernier petit détail, on va dire, pour sécuriser un peu notre fil de coton ici, on va employer tout simplement du vernis à ongles. Qu'on va passer, attention, pas là-dessus, hein, sur notre système. Voilà, notre hameçon est prêt à être mis en bout de ligne, en direct. Montez toujours en direct votre hameçon sur la ligne. Ne faites pas de bas de ligne. Alors, nous allons maintenant fabriquer la jupe. Tout simplement, comme base, vous allez prendre des chevilles droites. Nous n'en utiliserons à chaque fois que la moitié, mais pour fabriquer nos jupes, on va les garder, ensuite on coupe. Alors pourquoi ces petites chevilles? Ben parce que ça va tout simplement permettre de passer le fil à l'intérieur. Alors, nous allons prendre des morceaux de ce raffia que nous allons au fur et à mesure coller sur notre petit support. Peut-être s'arrêter là. Vous pouvez l'étoffer un peu plus Oui, je pourrais. si vous voulez. Hein, vous les étofferez un peu plus, mais voilà, c'est le principe. Ensuite, nous allons bloquer avec notre fil rouge, toujours. Nous allons faire un blocage, bien sûr, ici. Un peu comme on a fait avec les hameçons. Sylviane, petit nœud, s'il te plaît. Petit nœud avec elle. Voilà. Par mes doigts, là. Et là, tout simplement, on va couper ce qui dépasse de notre. D'accord? Et maintenant, Sylviane va nous la peigner. Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Tiens-la bien quand même. Ça donne ça, en fait. Il faut que ça soit bien frisé, bien fin. Voilà, regardez, elle a une certaine allure. Elle a un petit dos bien, bien foncé, un ventre blanc. En principe, elle n'est pas trop mal.
le vernis pour tenir. Ah oui, on peut vernir, oui, bien sûr. Pour pas que la corde soit trop. Exact, exact. J'ai oublié. Et. En fait, ça protège du sel le fait de vernir aussi. Ça bloque le nœud, ça protège du sel. Voilà, elle est prête à être montée, et là, astuce de montage. Vous avez donc votre bas de ligne. En premier, vous allez enfiler votre petit octopus. On va mettre celui-là pour le principe de montage. Petit octopus que vous aurez lesté. Que vous aurez lesté d'un plomb. Ah ben ça va aller. Voilà, petit octopus lesté d'un plomb, vous allez donc on le passe à l'envers, hein. Vous avez votre bas de ligne comme ça, tiens-le, votre octopus, vous enfilez votre jupe. Alors, vous faites pénétrer bien sûr votre jupe dans l'octopus, là, et ensuite, tiens-le toujours, je le tiens. On va fixer notre hameçon, le nœud paloma. Alors, vous voyez, notre bas de ligne est presque terminé. Il lui manque quoi ? Le couper à environ 2 cm sous, comme ça. Et voilà, votre pailletage est fini.